Bonjour, salut à tous les amis, bienvenue sur le vlog Cars Passion. Aujourd'hui je suis avec Nico et salut. On est à l'intérieur de ça. Hop. Alors on est à l'intérieur. Je peux vous dire qu'on est bien dans une Porsche, ça c'est sûr. C'est bien fini. Superbe Porsche Panamera Sport Turismo, donc la version on va dire break. La Panamera. Et Nico, qu'est-ce que tu en penses? Toi, t'es installé déjà, t'as la meilleure des places. Moi, je suis prêt à partir. T'es prêt à partir et tu disais déjà que t'avais une bonne position de conduite malgré ta grande taille. Ouais, je suis vachement bien et je peux même reculer mon siège si j'ai envie de me faire une petite sieste. Donc, tu peux dormir. Je peux dormir convenablement. Au volant, tranquillement. Mais bien sûr, c'est pas ce qu'on va faire à l'intérieur de cette Panamera. On va s'amuser un petit peu avec cette voiture. Alors, on va faire un petit peu le tour du propriétaire à l'intérieur. Et déjà, on va parler de la qualité de finition. Je pense que ça va pas vous surprendre si on vous dit que c'est très très bien fini à l'intérieur. On est sur du luxe avec des matériaux très nobles, avec un joli toucher, une association de matériaux, vraiment voilà. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Exactement, pas d'erreur, il n'y a pas de faute, tout est bien fini, tout est bien assemblé et c'est agréable à regarder à l'œil. Tout est, voilà, tout est luxe, confort et avec aussi ce côté un peu sportif. C'est même pas un peu sportif parce qu'on est sur la version turbo. Donc, 500 chevaux, je crois, je sais plus combien exactement. Ouais, plus de 500 chevaux avec voilà des performances qui doivent atteindre le 0 à 100 à mon avis dans 3 secondes 5. On le mettra dans la description, mais voilà, on sait qu'on a une voiture entre les mains qui est à la fois une GT, une sportive et puis surtout une familiale parce qu'on a trois places à l'arrière et un gros coffre, on va dire un joli coffre de 520 litres. Donc parfait pour partir en vacances. On a l'accoudoir. Avec une prise USB. Prise USB, prise auxiliaire, une prise 12 volts. Voilà. Si vous avez un peu soif, et ben voilà, faites-vous plaisir. Là, c'est peut-être la petite faute, là. Le gros porte-volant. Ouais. Je trouve ça, bon, c'est la petite faute de Porsche. Allez, on peut leur pardonner ça. Là, il y a des petits rangements encore ici. Le frein à main électrique. C'est dommage qu'on n'ait pas le contact, qu'on puisse vous montrer un peu l'habitacle. Alors, oui, alors on va essayer d'imaginer. Que ce grand écran s'allume. Imaginez la largeur de cet écran qui fait on va dire quasiment ça fait bien 30 cm. Ouais, facilement 30 cm. Et puis c'est vrai que même pour le passager c'est assez agréable de participer aussi à la navigation multimédia. Donc on imagine que ça va être sympa aussi pour le passager. Donc je suis à la place. Et puis après en termes de visibilité, on n'est pas en train de conduire, mais c'est vrai que c'est spacieux. Ouais. Hein. On voit bien, on voit tout. Ouais. La qualité de finition, j'y reviens encore, mais c'est vrai que on va changer la luminosité. Mais regardez-moi, ça c'est quoi? C'est quoi comme Alcantara, c'est de l'alcantara. Ouais. C'est de l'alcantara. C'est vachement beau à toucher. C'est du luxe. On est chez Porsche. Installe-toi, Nico. Voilà, on est avec Nico. Du blog. Hein? Bonjour, enchanté. Nous sommes à l'arrière de cette Panamera Sport Turismo et on peut dire qu'on a quand même de la place. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Le siège avant est quand même bien reculé vers moi. Toi, tu fais un bon 1m90. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Hein, pour ne pas dire 2m40. et il a de la place. On a une troisième place qui est juste au milieu. Alors, hein, comme le précise Porsche, chez une. C'est quoi? C'est une 4 plus 1, c'est ça? C'est une. Ou 3 plus 1 à l'arrière, ouais. 3 plus 1 ou 2 plus 1, je sais plus comment. En tout cas, on a une place d'appoint qui est juste là. Clairement, voilà, un troisième adulte, ça va être difficile. Peut-être facile sur des courts trajets ou acceptable sur des courts trajets. En tout cas, c'est plus... C'est du dépannage. Hein. C'est du dépannage, c'est plus pour un enfant. Donc, si vous avez trois enfants à l'arrière, c'est parfait. Mais tu mets pas un siège auto à l'arrière. Hein. Tu mets pas un siège auto, mais par contre, si tu as un siège ressort, ça peut le faire. Et puis bon, après, si tu as envie de boire et que tu as envie de la jouer... Un bel accoudoir. Voilà. Et sinon, il faut savoir que si vous voulez absolument conserver deux belles places à l'arrière, c'est une option chez Porsche.
J'ai pas le montant de l'option, mais en tout cas, vous avez cette possibilité. C'est sièges, deux sièges électriques à l'arrière qui offrent, on va dire, un peu plus de confort que, on va dire, cette banquette de plus 1. Bon, vous avez en face de vous deux fans de Shooting Brake. Alors, c'est pas un Shooting Brake parce que on sait pas son nom. Son nom, c'est quoi? C'est Turismo. Turismo, oui. La version Turismo pour dire. Mais ça reste dans l'esprit du Shooting Brake. On est un peu dans l'esprit. Dans l'esprit break de chasse. Voilà. Break de chasse, donc avec ce côté, en fait, ils n'ont pas allongé la voiture. La voiture fait 5 mètres de long. Ouais, ils sont restés sur les bases d'origine. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire ce système Bah, ils ont tout simplement en fait, ouais, étiré l'arrière, juste la partie haute, et ils l'ont étiré. Ça donne ce côté shooting brake où on a 20 litres de plus sur le coffre, c'est pas mal. Avec, comme on le disait, voilà, la possibilité d'avoir 3 personnes à l'arrière. Le look avant, on le connaît tous, hein, la nouvelle Panamera, on la connaît tous. Elle a ce look qui ressemble aussi à Porsche, hein, c'est l'esprit Porsche qui est respecté. Reste dans l'esprit, ouais. Mais par contre, c'est vrai que l'arrière, il y a quand même un côté, voilà, c'est nouveau. Ce que je disais, un nouveau. C'est nouveau. Ouais. C'est dans la mode, hein, parce que quand tu regardes nouvelle Ferrari, quand tu regardes, ils sont un peu dans mais cet esprit-là. Il y en a pas beaucoup, et tu le disais, la Ferrari, donc c'est la GTC4, c'est Lusso, la remplaçante de la FF. Mais c'est vrai que là, du coup, on monte beaucoup plus sur en tarif, on monte beaucoup plus. Et puis surtout que la Ferrari n'a pas des moteurs diesel, des moteurs hybrides. Et donc du coup, l'avantage de Porsche, c'est qu'ils ont, ils ont cette possibilité de proposer énormément de palettes de motorisation qui pourra combler tout le nouveau propriétaire. Voilà. Donc c'est vrai que elle est assez unique, en fait, hein, cette Porsche Panamera Sport Turismo. Mais ils ont pris des commandes, hein, déjà, on a posé la question, ils ont déjà pris pas mal de commandes et ils sont plutôt contents de leur produit, donc C'est vrai qu'ils ouvrent un nouveau marché, entre guillemets, un nouveau segment, parce qu'il y a quasiment personne. Ouais. Donc à part les Audi A6 ou, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, les Mercedes E63 MG Break, enfin des gros modèles avec des gros moteurs. Attention, on reste quand même sur un petit objet à 200 000 euros. Hein. On est quand même assis dans une voiture à 200 000 euros. Ouais, alors je crois que les tarifs évoluent à partir de 160 modèles de base. 160 000 et modèle ici turbo, on est sur 200 000 à peu près. 198, 199, je crois. L'aventure est terminée, l'aventure Porsche, vous la voyez juste là, elle est juste derrière nous. C'était une belle expérience parce que c'était un sport éphémère. Super sympa. Et donc forcément on est content, on a le sourire et bon voilà, quelques belles petites surprises. Petite goodies, sympa. Sac Porsche. Je crois revu et ça. Très beau cadeau de Porsche. Alors je vous l'ouvre. Regardez. Belle pièce en métal, c'est pas mal, hein. C'est vraiment sympa. Et puis on a aussi, après tu nous montreras, on a un petit souvenir en cuir. Ouais, c'est joli, hein. Très beau. Super joli, très très beau. Et puis on a un petit un petit tapis de souris en cuir Porsche avec le sigle Porsche qui nous ont frappé devant nous. Voilà, donc chacun choisit sa couleur. Alors on aurait aimé avoir Cars Passion, mais bon, Porsche est quand même pas mal aussi. Vous verrez sur les routes à partir du 14 octobre. Donc fin de l'année, vous allez commencer à en voir. Voilà, on vous laisse, il y a un camion qui arrive. Salut, ciao. À bientôt.